Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je viens vous faire les petits messages du jour, donc du 22 mai 2023. Alors je ne vous promets rien, je vais essayer, d'accord, d'être plus présente, et c'est-à-dire de vous faire ce petit tirage tous les jours. Mais voilà, parfois le temps me manque, l'envie me manque, les enfants sont là, tout ça, vous savez que ma vie a changé, d'accord? Mais je vais vraiment, vraiment, vraiment essayer, ok? Voilà. Par exemple, peut-être que à la place de vous les faire le soir, je vous le ferai l'après-midi pour le lendemain, d'accord? Voilà. Par exemple, demain après-midi, je vous ferai peut-être pour mardi. Ok, voilà, je vais essayer. Je ne vous promets rien, je le répète. Alors, j'ai fait le tirage avant aussi, d'accord? Comme ça prend moins de temps et c'est des vidéos moins longues à regarder et moi, ça me prend moins de temps aussi. Alors, ici, avec la réponse angélique, on vous dit écoutez votre intuition. Donc, surtout, ce lundi, écoutez votre cœur. On vous parle de mauvais choix et on vous parle de lâcher prise. Donc on vous dit d'écouter votre cœur, d'accord? Il est possible que vous ayez fait des mauvais choix, mais dans le passé, mais ce n'est pas grave. Lâchez prise là-dessus, passez à autre chose, ok? Le message du jour, l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Ne pensez pas avoir besoin de recevoir que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand. Période de chance. L'univers a un cadeau pour nous. D'accord? Voilà. Alors, sur quoi travailler? Sur quoi travailler? Obéissance. Quelle est la part de toi qui commande? Sois conscient de ta compréhension intérieure. Suis ton impulsion la plus profonde avec discipline et détermination. Donc, reste sur ton point de vue. D'accord? Suis ton cœur et surtout ne change pas d'avis. C'est peut-être ça les mauvais choix que nous avons faits dans le passé. Ensuite, nous avons contentement. Savoure ce qui se passe dans ta vie actuellement. Le processus créatif n'a pas de fin. Relâche les efforts et repose-toi dans les satisfactions et l'épanouissement joyeux. Donc, il se passe peut-être des choses qui ne te font pas très plaisir dans ta vie actuellement, d'accord? Mais crée des choses pour être plus heureux, ok? Et puis, il ne faut pas non plus toujours faire des efforts pour les autres, ok? Alors, ici, on a abandon, confiant, capacité d'être présent à ce qui se passe, plutôt que de se préoccuper de ce qui pourrait ou devrait se passer. Abandonne le besoin de contrôler la vie, entre dans la paix de l'acceptation. Donc, abandonne ce qui te fait mal, d'accord, et confiance à ce qui se passe actuellement, même si c'est des choses que tu ne vois pas, d'accord, voilà. Peut-être que vous avez imaginé cette situation autrement, d'accord, et que ça vous déçoit. Eh bien, non, abandonne ça, vis au jour le jour, c'est beaucoup plus important. Ici, on a quoi? Ah, on a l'échec, défaite, déboire, obstacle, erreur, mauvais chemin et faillite. Et à côté, on a les voyages, donc les vacances. Il y aura peut-être des obstacles par rapport à vos vacances, d'accord? Faites attention aussi.
à l'endroit où vous voulez aller en vacances. D'accord? Ça ne sera peut-être pas possible. Échec voyage, attention, j'en ai déjà parlé beaucoup. Alors, ici, on a quoi? On a la beauté, le luxe, quelque chose de beau, d'accord, qui arrive. La pyramide, gardez, l'élévation, hein? Et ici, on a l'amour. Donc, restez confiant, restez dans l'amour, suivez votre cœur, d'accord? Quelque chose de beau arrive et on va s'élever. Le puzzle, le temps, le puzzle a mis beaucoup de temps à venir, d'accord? Ici, on a l'invitation, donc toujours pour moi ici, l'arrivée, oh, l'arrivée d'un cadeau, les amis. D'accord? Voilà. Bon, alors, soyez confiants. Par contre, faites attention de ne pas refaire les mêmes erreurs, peut-être concernant vos vacances. L'année dernière, vous avez peut-être pris des vacances, c'était sous condition. Attention cette année qu'on ne vous réimpose pas la même chose. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre destin, de votre vie. D'accord? Obéissance, quelle est la part de toi qui commande? D'accord? Suis tes désirs. Si tu t'es dit cette année, si je dois reprendre de la soupe, c'est niette, ok? Eh bien, reste sur ta détermination, d'accord? Voilà, il faut reprendre du caractère, d'accord? Tu peux passer de bons moments en étant chez toi plutôt que de donner ta vie dans les mains des autres pour passer quelques jours de vacances à l'extérieur. Il y a des choses qu'on peut faire à la maison ou dans les environs, hein, voilà, sans condition, d'accord, et quand même être heureux. Attention à lâcher prise sur les mauvais choix. Il ne faut pas non plus avoir de regrets. Ce qu'il est fait, d'accord. On voit ici que le puzzle, hein, je le dis tout le temps quand je sors cette carte, vous voyez, il ne reste que deux cases, d'accord? Ça a pris du temps. On voit ici le temps avec le chat noir, hein, voilà. Mais ici, s'invite à nous une belle surprise, d'accord? Le cadeau, c'est aussi une surprise. Je vous fais des bisous, les amis. Je vous souhaite une belle journée.